Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une tincture, une solution, un élixir de sureau. Ce sont ces petites baies là. Je les ai ramassées en août avec ma nièce. Et on va faire nos potions pour l'année, voire les prochaines années en fait. Le sureau, c'est très intéressant parce que c'est une plante qui est toxique. Il y a des baies qui sont toxiques, mais si on les traite bien, elles vont être médicinales. Et je vais vous montrer comment je fais. C'est très très simple, c'est un peu comme toutes les autres tinctures que je fais. La première étape, c'est que j'ai mis les baies que j'ai ramassées au congélateur, comme ça elles pouvaient durcir. Et ensuite, il faut enlever toutes les grappes, parce que les grappes de sureau sont toxiques. Mais les baies, par contre, c'est elles qui ont les propriétés médicinales. Alors, les propriétés médicinales sont multiples. C'est un très bon antioxydant, mais surtout, c'est un peu l'anti-rhume ultime. C'est très bon pour tout ce qui est virus, tous les rhumes, la grippe, toutes ces choses-là. Vous allez trouver ça, ces choses-là. Ça va coûter très très cher en magasin santé, les magasins naturels qui vendent ces choses-là, et vous savez pas d'où ça venait, alors que quand vous avez un beau petit arbre à sureau, eh bien, vous pouvez faire votre propre concoction. Donc, c'est ça qu'on va faire dans cette vidéo. C'est cet arbre-là, l'arbre à sureau, qui a donné cette potion-là. Qu'on est ultra local, à part la vodka qui nous vient de Saint-Louis aux États-Unis. Une fois que vous avez enlevé toutes les grappes, ce qu'on va faire, c'est on va prendre un petit pot. C'est là où j'avais fait une de mes autres concoctions que j'ai mis en que j'ai déjà processé, que j'ai déjà utilisé. Tout ce dont vous avez besoin, c'est des baies de sureau et de l'alcool à minimum 50 degrés. Là, on est à 75 degrés. Moi, j'aime bien utiliser le plus fort qui existe pour eh bien, retirer et faire durer ça le plus longtemps et surtout retirer les meilleures propriétés. Alors, on va mettre nos baies dans notre pot. Moi, j'aime beaucoup ce principe des tinctures parce que les tinctures, c'est très facile à faire. Et ensuite, vous pouvez mettre ça partout, utiliser ça partout dans votre thé. Moi, j'aime bien juste faire un petit, juste quelques gouttes et ça vous remet en forme. Je pense que c'est aussi l'alcool qui aide. C'est une de mes manières préférées pour utiliser les plantes médicinales, toutes les propriétés. Là. La plupart des propriétés. Donc, je pense que ça va être assez. Je pense que ça va être assez. On va utiliser cette cuillère en bois et on va faire déjà un petit peu de jus. Alors, on est en octobre, on est déjà fin octobre, mais on a des super journées. Le soir fait un peu froid, mais j'ai mon petit poêle à bois. Alors, je sais pas si j'ai mis ma dernière vidéo sur comment hiverner ma caravane, mais pour l'hiver, je déménage dans une petite suite au ranch où je suis et il y a un petit poêle à bois dedans. On est au pied des montagnes, c'est magnifique. Et ici, je suis sur mon petit balcon, enfin mon balcon, mon deck. Ça me tente de le goûter parce que regardez. Ça donne un peu comme on dirait peut-être la confiture de framboise, mais ça n'en est pas. Alors je vais écouter. Je fais un petit essai. C'est très goûtu. Alors ça se boit pas comme du sirop de fraise, mais ça a un goût très terrien. Ça vient vraiment d'ici, quoi. On sent la terre. Ajouter notre vodka. Tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est amener ça. Alors là, vous voyez, j'ai les orties qui sont en train de sécher. C'est mon cinquième batch d'orties que je suis en train de faire sécher pour ensuite en avoir pour toute l'année.
Et on va mettre ça dans un coin sombre. Sûrement ici. C'est ici que je garde toutes mes potions. Là d'ailleurs, il y a l'arnica qu'il faut que je mette en bocal. Que j'enlève les fleurs et que j'en fasse une petite crème. Et on va laisser ça ici pendant à peu près 1 à 2 mois. Et ce sera prêt quand ce sera prêt. I don't see them. Donc voilà, ça fait 5-6 semaines que j'ai tourné ces images-là. On est le 1er décembre, je crois, aujourd'hui. Et il est temps d'embouteiller notre concoction de sureau, de baie de sureau, dans ces petites bouteilles-là que j'adore, des petites bouteilles de tincture qu'on peut nettoyer et utiliser à souhait. Et tout ce qu'il nous reste à faire, en fait, c'est de filtrer nos baies de sureau après les avoir bien mélangées et bien extrait tout le jus en parallèle de l'alcool qu'on a mis. Et on va verser ça dans nos petites bouteilles. Pour ensuite les conserver pour plusieurs années à l'abri dans un coin un peu sombre, le donner à nos amis, à notre famille, aux gens qu'on aime. Je suis pas un docteur, prenez ça avec des, faites vos propres recherches, faites vos propres, utilisez vos propres références. Cet automne est un automne où il y a eu beaucoup de gens qui ont été très malades. Moi, dès que j'ai ressenti un petit coup de mou, j'ai pris quelques gouttes. Alors moi, je prends quelques gouttes à après 5 à 10 gouttes, mais j'ai une très faible tolérance pour ces substances-là de plantes médicinales en fait, et donc ça fait que j'ai pas besoin de beaucoup pour me soigner. J'aime ça parce qu'au cas où j'en aurais besoin, je pourrais toujours utiliser plus, et je trouve que c'est assez fantastique. Et les baies de sureau, si vous ne le savez pas, ce sont vraiment, ils ont vraiment des super pouvoirs. C'est une super plante ou une super baie qui soigne bien des maux, prévient surtout. Moi, j'utilise souvent ça pour prévenir quand on est un peu fatigué, qu'on va être autour de beaucoup de monde, quand je vais en ville ou quand voilà, les autres personnes sont malades et qu'on se sent aussi un peu fatigué. Il faut prévenir. Mieux vaut prévenir que guérir, parce que guérir, c'est trop tard. En fait, le mieux, c'est vraiment de prévenir. Bien sûr, parfois, on va guérir. Mais le but, c'est de rester en santé, de prendre soin de soi. Et donc, voilà comment on va se quitter avec cette petite vidéo sur les baies de sureau. Donc, on va prendre soin de nous. Et à vous de prendre soin de vous aussi. Thank you.